Bonsoir et bienvenue sur ETV, donc le nouveau magazine Je égale MC2, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Alors, ce magazine est fait pour expliquer un petit peu ce que c'est que la MC2 et puis les objectifs et avec toujours un invité qui va parler de son expérience, de son parcours, de son cheminement de création, quel que soit le domaine d'activité. Donc, nous allons recevoir Rudy Marcoclore. Voilà, Bonsoir, bonjour. bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Alors, Rudy Marcoclore est un plasticien. Moi, je le connais bien. On a fait l'école d'art ensemble. Mais avant, il a eu un parcours, une première vie, on va dire, une vie de graphiste, Absolument. de professionnel de la communication. Et pendant, et à un moment donné, il s'est passé quelque Il y a chose, eu un un basculement. basculement et un basculement, et il est tombé dans le monde de la création artistique en tant que plasticien. Alors, Woody, bonjour. Bonjour Pierre, Alors, merci est-ce que de tu m'avoir peux, invité. est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours de graphiste? C'est vrai que je démarre en tant que graphiste, étant donné que je fais mes études à l'École régionale d'art plastique de la Martinique. À l'époque, c'est un petit peu ce nom que ça portait, qui est devenu le campus Carré des Arts. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré, déjà dès le lycée, hein, parce que je fais une section lettres-arts au lycée, avec M. Sicard, entre autres. Il y a pas mal d'entre nous qui l'avons eu. Et donc un bac A3, donc ensuite je pars à la Martinique. Et c'est vrai que je suis très attiré à ce moment-là par, on va dire, on ne va pas appeler ça forcément les nouvelles technologies, mais une certaine pratique, c'est-à-dire justement les montages vidéo, la photo, les ordinateurs ont démarré un peu. Je me rappelle à l'époque, on avait des cours où j'ai appris à travailler avec Adobe Illustrator, par exemple, c'était en noir et blanc. Et c'est vrai que voilà, depuis, il y a eu une belle évolution de tout ça. Donc, mais c'est vrai que j'étais attiré par quelque chose d'un peu technique, Ok, entre mais guillemets. qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette formation et ce métier de graphiste, en fait? Ben, je pense que c'est un côté, ben, l'artistique était probablement déjà un petit peu là, dans l'idée de savoir-faire, de la conception, de l'image, du texte, tout ça. Donc je pense que j'étais attiré par ça. J'aimais beaucoup la photo, en fait, quand j'étais jeune. Donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, dans cette filière, il y a la partie photo, donc je vais pouvoir peut-être me perfectionner, puisque je faisais un petit peu le photographe, pas du dimanche, mais dès qu'il y avait une manifestation, quelque chose, les parents ou les amis m'appelaient, je développais les photos, je gagnais un petit peu d'argent avec ça à l'époque, j'étais en mode photographe, quoi. Donc ça me permettait d'aller un petit peu plus loin. Et puis la communication prenait un certain essor aussi, commençait à être très présent, donc j'ai voulu effectivement être proche de ces choses-là. Et ce qui a été intéressant, je pense, pour moi dans mon parcours, et qui a amené justement ce basculement, je pense que c'était déjà un petit peu présent, dans le sens où, pour aller vite, hein, comme on dit, long story short, quand je passe mon DNA graphique, je suis le seul sur les six à avoir des toiles, en fait. Ok. Ça veut dire que dans mon diplôme d'art graphique, je présente une série de toiles. Déjà, en fait. Donc, ça veut dire que j'ai toujours, quelque part, associé, on va dire, le travail artistique plastique à mon travail graphique. Et je pense que je me suis trouvé confronté à ça à un moment donné, qui fait que, voilà, parce que tu suis le client, tu es dans la démarche du client, tout ça. Et j'avais déjà, je pense, un style très plastique dans l'art graphique. En fait, donc ça se mélangeait un peu. Et ça a duré combien de temps, ce Ben, on parcours va de dire depuis, graphiste? ben, jusqu'à maintenant encore, hein, parce que je travaille quand même en communication graphique, où je fais des choses un peu plus, on va dire, dans l'art, c'est-à-dire que je fais des pochettes d'albums pour des artistes, entre autres, bon, celle de Dominique Coco, enfin, j'en ai déjà fait quelques-unes. Coco, c'est un ami, c'est un frère, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Et j'ai réalisé, par exemple, la dernière pochette Oasis de Chris. Et bon, il y a des artistes, on va dire, antillais avec qui je travaille, puisque bon, j'ai beaucoup d'amis dans la musique en réalité. Et donc, du coup, ils font appel à moi pour tout ce qui est pour création de pochettes, en fait. Et donc, c'est vrai que là, il y a un aspect plastique qui peut être intéressant. Donc, petit à petit, voilà, puisqu'on a fait des cartes de visite, on a fait des dépliants, les affiches. Donc, j'en fais encore. Quand quelqu'un a besoin de savoir faire à ce niveau-là, je réponds, puisque ça fait partie de mes compétences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris un peu plus de distance par rapport à ça pour s'impliquer beaucoup plus dans la création artistique, la création plastique, même si ça reste une forme de création. Mais l'art, c'est autre chose. Et, mais L'art, c'est autre chose. alors qu'est-ce qui t'anime fondamentalement dans ta fonction de graphiste? Alors, disons que c'est ce qu'on retrouve un peu dans la peinture, c'est-à-dire que c'est les aménagements, en fait, les agencements, et puis surtout arriver, on va dire, à matérialiser l'idée du prospect.
sa volonté. Par exemple, dans la création d'un logo, la personne va vous parler d'entreprise, elle aurait un choix de couleur, de choses comme ça. Donc, l'idée, ça va être comment arriver à sublimer ça, à transformer toutes ces paroles, cet esprit, en fait, de structure à Donc travers là, une image, en fait. en fait, tu es obligé un peu de marcher dans les pieds de la personne, Tout à voilà, fait, tout à pour bien comprendre, intégrer ce que le client Ça veut. demande, en fait. Voilà, c'est Donc, ça. il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus vraiment toi-même dans le sens Tout où à il fait. faut répondre à un cahier des charges. Faut répondre à un cahier d'échange. Et ma particularité, ça a toujours été un peu. J'avais un peu de mal à répondre au cahier d'échange, juste pour répondre au cahier d'échange. Donc, il y a eu toujours, effectivement, je mets toujours un petit peu ma touche, ma patte. Après, si on comprend que c'est un métier, qu'effectivement, il y a les doléances du client et qu'on doit satisfaire. Donc, au début, j'avais un peu de mal. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, voilà, j'ai posé ça comme ça, pour moi, c'est en place. Et que non, bon, je peux faire cette couleur-là, on va mettre ça comme ça. Donc, il y avait un peu de frustration. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, avec l'expérience, on comprend que, bien évidemment, il faut aller dans le sens de ce que veut le client, en fait. Et que ça, c'est totalement intéressant aussi, parce que c'est vrai que certaines fois, assez souvent d'ailleurs, les modifications qu'il demande ou les choses qui sont apportées en plus, ça donne une plus-value au travail, quoi. Mais on va dire que la base graphique, effectivement, on va dire, ça part de mon imagination, d'une certaine façon, avec, tout à fait, comme tu l'as très bien dit, un cahier des charges et une direction, quoi. Alors, ce point de bascule, c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre comment quelqu'un qui a un parcours, qui a fait une école, donc qui avait une vocation Tout à fait, certainement, tout à fait. qui est allé dans quelque chose, qui est allé au bout hein, d'une expérience, Tout à fait. et qu'à un moment donné, il y a de la frustration, Il y a peut-être un il y a peu de des ça. insatisfactions, il y a quelque Tout à chose qui se fait, tout à passe, fait, tout à fait. et il y a un basculement vers la création artistique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui a toujours été un peu présent. Mais c'est vrai qu'il y a probablement un déclic. Puisque j'ai toujours peint, j'ai toujours exprimé des choses à côté, en fait, sans véritablement ni me mettre en avant, ni faire d'exposition, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette présence plastique et artistique. Mais je pense que c'est cet esprit de liberté que j'ai, que j'aime, que j'apprécie. C'est la raison pour laquelle, que même à la suite de ma sortie de l'école, je fais un stage de gestion pendant 2 semaines et je crée ma première structure. Donc j'ai toujours été indépendant. J'ai cet esprit de liberté, en fait. Et donc, je pense qu'à travers la peinture, surtout, voilà, donc je pense que je retrouvais un peu cet esprit et cette volonté, en fait, d'aller plus loin dans mon art. Parce que l'art, on dit bien l'art graphique, Oui. mais qui est limité à un certain nombre de choses, et donc pouvoir approfondir et pousser l'expérience, étant donné que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé sous le coude. Et à un moment donné, je pense que c'est. J'en ai pris conscience peut-être au moment où j'ai été à Montpellier, parce que j'ai fait un séjour à Montpellier à un moment donné. Et c'est là où bon, je décide un petit peu de m'investir un peu plus là-dedans. Donc je fais des recherches, je me fais accompagner par une structure, etc. Donc toujours dans l'idée d'être indépendant. Et je commence à orienter plus les choses vers une réflexion plastique, en fait. C'est-à-dire, je peins beaucoup plus. D'ailleurs, je fais même des expos là-bas. Et le déclenchement, c'est peut-être quelques années après, véritablement, on va dire, quand je me retrouve à Vancouver, au Canada, où je passe un temps à commencer à étudier quelque part l'Afrique. Et je pense que c'est à partir de ça que là, je décide vraiment de prendre mon bâton de pèlerin, mes pinceaux et tout, et de me dire, c'est ça qu'a fait, c'est ça qu'a vif. Et puis il y a d'autres, mais il y a toi, bien sûr, Pierre Jadot, avec qui j'ai toujours travaillé, même si au début il y avait un peu d'art graphique, on a fait les ateliers avec les enfants. Donc tout ça m'a toujours animé. J'ai toujours côtoyé le milieu, en tout cas artistique, musical, la scène un petit peu. Et puis bon, voilà, on est ici en Guadeloupe, je vais dans des expos, je vois des expos de Rovella, je vois des expos des frères, Antoine, toi, différents. Et donc tout ça me nourrit pendant un moment. Et ça me donne envie, voilà, d'y participer. Et puis quelque part, je me dis, bon, j'ai aussi quelque chose à dire, en fait. J'ai probablement des choses à exprimer. Voilà, J'ai, voilà. justement, qu'est-ce que tu as pu développer donc comme thématique, enfin ton parcours maintenant de créateur plasticien? Plasticien, Voilà. tout à fait. Qu'est-ce qui a démarré? Quels sont les différents sujets, les thématiques que tu as pu aborder? Quel est Alors, ton... l'idée, c'est que, bon, c'est là où ça devient effectivement intéressant, puisque c'est un moyen, comme tu dis, de pouvoir aborder des sujets. Des questionnements où justement on fait des propositions. Moi, je dis souvent que c'est des expériences que le plasticien vit
ils proposent en fait des solutions sur des choses. Et aujourd'hui, je me rends compte, et c'est un petit peu ce que je dis quand je parle de mon travail, c'est que je suis un artiste engagé. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours été indépendant avec une vision, une démarche, une volonté, effectivement, on va dire entre guillemets, de souveraineté. Et donc l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un moyen pour moi, effectivement, d'affirmer des choses ou de parler de sujets, en fait. Et donc, je m'inspire beaucoup, on va dire, de faits de société, d'événements, pas forcément d'idées de cause, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu ce dont on va peut-être parler par la suite, comment ce processus vient, comment je mets en place l'idée d'exprimer quelque chose. Ça veut dire que je suis déjà touché par un sujet, d'une certaine façon. Justement, c'est vrai qu'à travers est-ce que c'est une problématique intellectuelle, sociétale, que tu mets en avant, ou est-ce que c'est purement artistique, de l'expérimentation plastique, technique, etc. Qu'est-ce qui préside? Je pense que c'est un mélange de tout ce que tu dis là. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon travail, c'est un peu ce qu'on retrouve. On sent que ça a été médité par quelque chose. On sent que l'idée est venue effectivement d'un fait de société, quelque chose qui nous touche directement, par exemple sur notre Guadeloupe. Ça peut être, par exemple, l'eau. Ça m'est déjà arrivé de faire des choses dans un certain cadre, mais où j'utilise l'élément eau pour parler des différents éléments, des quatre éléments de la Terre. Et donc, on va dire que quelque part, sous-jacent, il y a cette idée de la problématique de l'eau chez nous. Donc, ça veut dire que j'ai un engagement à travers, effectivement, une certaine plastique, une certaine esthétique, si on va dire. Mais pour moi, l'artiste, c'est un peu sa mission, quelque part. C'est sa volonté aussi d'éveiller des consciences, de toucher du doigt certaines choses à travers une certaine façon de le faire, en fait. Mm-hmm. Et je pense que c'est intéressant. Donc, c'est mélangé entre, comme je dis souvent aussi, quand je dis des fois que je trouve que mon travail artistique et plastique est d'utilité publique, en fait. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ça doit servir les autres, ça doit nous servir, d'une certaine façon, amener à la réflexion, et que ce sont des propositions, en fait, de réflexion, parce qu'on peut en avoir d'autres plasticiens amènent d'autres choses aussi pour conforter ou confronter ces idées-là. Mais moi, c'est un petit peu voilà ma démarche, et c'est comme ça que j'arrive à exprimer ces choses-là. D'où vient cette préoccupation sur l'Afrique, sur l'identitaire, sur le culturel, sur les fondements? Ben, je pense que c'est déjà, j'adore la question, c'est excellent parce que c'est vrai que je m'inspire beaucoup, je le dis aussi, de la spiritualité africaine. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, pas forcément dans l'idée d'une véritable recherche d'identité, mais en quelque sorte c'est ça, parce que je me considère comme étant un afro-descendant, et donc c'était tout à fait naturel pour moi à un moment donné de me questionner sur cette partie, puisque étant en Guadeloupéen, où on a beaucoup d'influence, on est relativement mélangé de certains nombre de choses, et il me manquait cette partie, en fait. Et c'est vrai que j'ai été séduit, je me suis reconnu, en fait, dans, on va dire, cette spiritualité, cette démarche, cette conscientisation de certains nombre de choses, et qui fait que je me suis réapproprié ça, et tellement du fait que, bon, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé pour la première fois en Afrique au mois d'août dernier, au Bénin. Et ça a été quelque chose de formidable comme étant une rencontre. Et donc, en tant qu'afro-descendant, voilà, je pense que ça m'a amené effectivement un apaisement, en fait. Un certain apaisement, une clarté dans mon travail lui-même, etc. Quoi. Mm-hmm. Et donc, pourquoi ? Parce que pour moi, il y a une source commune, probablement, dans ça, en fait. Tu as quitté un métier, enfin pas vraiment, puisque pour t'engager à fond, on va dire, dans un parcours de plasticien, sachant le contexte économique, le contexte politique, le contexte sociétal. Quel sentiment t'anime dans cet engagement-là, dans ce parcours-là? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que tu penses, toi, avoir la force de braver le contexte? Dans quel état d'esprit tu t'engages dans cette... En fait, c'est très intéressant la façon dont c'est amené. Parce que c'est vrai que on pourrait craindre en réalité. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une mise en place qu'on n'a pas ici au niveau culturel, artistique, économique, comme tu le dis, tout ça. Mais c'est la valorisation de notre territoire, de notre art. Et surtout que j'ai en ligne de mire un certain nombre de personnes qui sont là, on ne va pas dire des combattants, mais des fervents défenseurs, en fait, de cette culture.
Pour moi, c'était important, du moins je l'ai ressenti comme ça, de pouvoir porter ma pierre à l'édifice. Ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité qui est à prendre, et j'ai eu envie de la prendre tout simplement, quelque part. Et la dernière question, ben, que t'apporte, pas dans le sens économique ou Économique, oui. social, relation humaine, mais que t'apporte à toi ta création artistique, là, la pratique créative? C'est quelque chose d'énorme en fait, c'est énormément de bien. Je pense que tu vois, là les mots ils sont un peu plus compliqués, mais l'idée c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bien, énormément, dans la mesure où cet acte de création justement, c'est-à-dire où on parle, toi-même tu le sais, tu es plasticien comme moi-même, une toile blanche, tu as une réflexion, tu as quelque chose, de voir que les choses se mettent en place, tu es dans ta bulle, il y a de la méditation, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille. Donc on est dans un état de plénitude en fait. C'est quelque chose de formidable. Moi, franchement, je me dis, je ne me vois pas faire autre chose en fait. Et puis après, il y a ce partage avec le public en fait. C'est ça qui est très intéressant à un moment donné où on expose et que là, on se retrouve à échanger avec des amateurs d'art, avec des personnes qui côtoient effectivement le milieu et qui sont à la recherche quelque part de réflexion, de beauté, on va dire, entre guillemets, à un certain niveau. Et ça me fait plaisir de leur faire plaisir, en fait, et de me rendre compte l'importance que ça a, la culture, l'art, toutes ces choses-là, dans le développement, on va dire, de nos enfants, de toutes ces choses-là, de l'intellect. Et donc, c'est quelque chose qui est très noble, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, parce que, comme vous-même avez dit, il y avait d'autres fois que Pinty sont peut-être qui raident. Et moi, quand partager ça. Très bien, ben, super entretien. On va faire un match retour, hein, une deuxième partie pour aller plus en profondeur dans maintenant le processus énergétique Ok. dans la création artistique. Donc on se retrouve pour une prochaine avec Rudy Macroclor. Merci, à tout à l'heure.